Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 17 mai et il est 14h15. Je me suis réveillée il y a ouais, peut-être une demi-heure grand maxi. C'est juste de pire en pire, mais bon, c'est pas bien grave. Il n'y avait rien de particulier aussi à faire ce matin. Alors, le programme d'aujourd'hui, ça va être que mes parents, mes frères vont venir à la maison. Et d'ailleurs, Inaya, comme ça, elle rentrera à la maison puisqu'elle nous manque énormément. Et ça fait très bizarre de ne pas l'avoir avec nous. Donc voilà, j'avais vraiment hâte qu'elle puisse rentrer. Et Leïna aussi, sa soeur lui manque vraiment trop. Les deux premières nuits, parce qu'en gros, Inaya, ça fait 3 nuits qu'elle n'est pas avec nous. Donc les deux premières nuits, Leïna, elle a eu du mal. Elle s'est réveillée dans la nuit, puis elle n'était pas très bien. Donc elle a fini la nuit avec nous. Et puis hier, je pense qu'elle était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie, qu'elle s'est juste pas réveillée. Donc bon, voilà. Mais aujourd'hui, Naya rentre et ça, c'est plutôt chouette. D'ailleurs, en fait, le truc, c'est que vu qu'on reçoit les devoirs quotidiennement, je reçois tout le temps la veille pour le lendemain. Jeudi, j'étais encore avec Inaya, donc on a fait les devoirs de vendredi. Puis là, samedi, dimanche, il n'y avait pas école. Et donc, en gros, voilà pourquoi aussi il faut que bah, elle rentre aujourd'hui. Elle n'a pas vraiment hâte, hein. Elle me dit qu'elle voudrait rester encore. Je lui ai dit qu'elle repartira sûrement le week-end prochain, mais qu'en attendant, il fallait qu'elle soit là. Alors, je vous disais, aujourd'hui, ce qu'on a prévu pour le tour, c'est une petite plancha. Donc, j'ai mariné mon poulet hier. Ça va vraiment pas être grand-chose parce qu'en vrai, au tour, on n'a pas très faim. Enfin, en fait, on a faim, mais on est calé ultra, ultra rapidement. Oui, donc je vous disais, on est calé ultra rapidement. Du coup, j'ai mariné 2 genres de poulet. J'ai fait un peu genre kentucky et tandoori. Autrement, il y aura des merguez et des. Comment est-ce que ça s'appelle? Oh, je sais plus, c'est comme des merguez, mais je crois que c'est à base de poulet uniquement. Donc voilà ce qu'il y aura pour ce soir. Et en fait, on n'a ni des pommes de terre ni des frites surgelées et je voulais en faire avec. Donc il va falloir qu'on trouve ça quelque part, sachant qu'on est dimanche, je sais pas trop, mais on va devoir essayer de trouver ça quelque part. Et puis voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Bah là, le jour où vous regardez ce vlog, ce sera, je pense, officiellement la dernière semaine de Ramadan. Ouais, on sera déjà lundi, donc ce sera officiellement la dernière semaine de Ramadan. Et je voulais aussi répondre à une question du coup en blog parce qu'on me la pose souvent. On me dit pourquoi je ne parle pas de ma belle famille. Et d'ailleurs, j'étais choquée de voir combien de fois on me l'a posée là ces derniers jours. J'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, pour celles qui sont là depuis longtemps, bah, j'en parle. Je vois pas en quoi j'en parle pas. J'en parle souvent. Vous savez que j'ai une très très bonne relation avec eux, que je les adore et que bah voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Si ça peut répondre à certaines de vous, bah voilà, j'ai aucun souci. Je sais pas trop en fait le genre de réponse que les gens s'attendent à ce que je réponde. Mais non, moi je n'ai jamais eu de problème et je n'ai pas de problème avec ma belle famille. Et Inch'Allah, j'en aurai jamais aussi. Après, voilà, si j'en parle pas là, c'est peut-être parce que je les vois pas aujourd'hui, demain, après-demain. Mais quand je les verrai, j'en parlerai. Enfin, il n'y a rien qui change. Donc bref, voilà. En tout cas, je vous prends avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti. Pushed for one last time. No more falls and no more climb. I don't want to be the shadow of the bigger picture. It makes me shallow. Sky, fight back and never go high. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight. Shine up against the night sky. Là, on est sorti pour aller à H-Market. Je sais pas du tout si c'est ouvert le dimanche, mais on va vérifier. C'est ouvert dimanche. T'es sûr? Bon, on va voir s'il n'y a pas beaucoup de monde. Et bon, comme ça, je vais prendre tout ce que j'ai à prendre là-bas. Et ensuite, on va vite rentrer à la maison. Je pense que je vais être la seule à sortir de la voiture. Comme ça, on ira encore plus vite. Et puis, écoutez, voilà, moi, mes parents et tout vont pas arriver tout de suite. Ils viendront pas avant 18h, je pense. Donc, ça me laisse largement le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Et vu que je me suis avancée hier, c'est vrai que je suis tranquille. Donc, là, je fais mes petites courses tranquilles et puis je vous retrouve à la maison. Thank you.
à H Market, il y avait trop de monde, donc on s'est dit qu'on allait venir ici. C'est Tony Fruit et c'est vraiment trop bien, c'est vraiment moins cher et tout. Oui mon cas, et bah du coup là c'est fermé. Finalement pour nous ce sera casino. Donc là il y a un géant casino qui est ouvert tous les jours et Ali est parti vite fait prendre ce qu'il y avait à faire. Je reste dans la voiture, Laïna s'est endormie et puis voilà. Donc tout ça pour au final faire nos courses ici. C'est un petit peu vraiment une défaite, mais c'est pas grave. En plus, on est allé beaucoup plus loin pour en fait revenir limite au point de départ, donc c'est un peu relou. Mais maintenant, c'est bien, au moins on saura que le casino est ouvert tous les dimanches jusqu'à 21h. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a des jours comme ça où on va à 10 000 endroits avant de trouver le bon endroit et c'est relou. Mais voilà, ça fait partie de ma journée, donc je le partage avec vous. Few moments later. Mes frères sont arrivés depuis un moment. Les retrouvailles entre Inaël et Laïna, c'était vraiment trop mignon. Et là, je suis en cuisine, je suis en train de faire des frites. J'attends que mon pain monte. J'ai fait la salade et j'ai fait des briques également qui sont déjà faites. Et là, les garçons sont en train de faire la viande parce qu'en fait, on va faire que l'encha. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Retrouve, il est 1h du matin, je suis en train de terminer le montage de la vidéo d'aujourd'hui. Mes parents et mon frère sont partis, ça fait un moment et j'ai pas pu trop vous prendre en vlog parce qu'en fait j'étais archi occupée, puis j'étais avec eux et j'avoue que je profitais à fond. Inaya est rentrée à la maison, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je suis restée 3 jours sans elle et j'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai pas vue et en fait elle m'a vraiment trop manqué. Sauf qu'elle, elle s'est tellement amusée là-bas qu'elle a hâte de pouvoir repartir. Donc à mon avis, elle repartirait d'ici la semaine prochaine. Sachant qu'elle aura des devoirs que lundi et mardi. Parce qu'après, avec le pont et tout, la maîtresse a dit qu'il n'y aura pas de devoirs pour la fin de semaine. Donc voilà. Autrement, pendant que mon frère était à la maison, on a eu une très mauvaise nouvelle. Je vous ai parlé du petit chat que je devais prendre à la fin du mois. Et ce qui s'est passé, c'est que son ami lui a envoyé un message. Puisqu'en fait, c'est son ami qui me donnait le chaton. Et le petit chat que j'avais choisi est mort aujourd'hui.
Donc, j'aurais pas ce petit chat-là. Ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a vraiment fait prendre un coup. Ça m'a rendu très très triste. Et d'ailleurs, je comptais pas terminer le vlog ou alors même le monter. Je voulais juste supprimer cette journée et repartir sur un nouveau vlog demain. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je vous partage parce que déjà, je vous en avais parlé. Et en plus de ça, dans mes vlogs, c'est vraiment nature peinture. Ça veut dire que je vous partage les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'artifice. Enfin, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous voyez très bien comment c'est. Je partage autant mes coups durs que mes bons moments. Et j'ai pas l'intention de changer ça parce que c'est la vraie vie que je vous montre et pas juste un semblant de vie où il y a que du positif et tout. Je pense pas réellement que ça existe. Et si vraiment c'était ce que je vous montrais tout le temps, je pense que on pourrait pas trop se reconnaître en moi. Je sais pas comment vous expliquer, mais personne a une vie tout le temps très lisse et très jolie. Et il y a un moustique que je vais défoncer. Faut que j'aille à la chasse aux moustiques après ça. Donc bref, voilà ce qui s'est passé. Le petit chaton du coup que j'avais choisi, c'est un petit tigri. Et il est mort aujourd'hui. Mais c'est des choses qui arrivent très souvent dans les portées de chats, d'en perdre un ou deux, parfois même plus. Donc là, pour le coup, c'est tombé sur celui-ci. Et du coup, son ami m'a demandé d'en choisir un autre. Mais je préfère attendre genre vraiment quelques jours avant la fin du sevrage. Donc quelques jours avant de le récupérer pour en choisir un autre, histoire juste de pas me refaire de fausses joies et d'être sûre de l'avoir en fait. Donc j'ai vrai que j'ai déjà ma petite idée sur celui que je prendrais. Mais ça m'a fait bizarre parce que je m'étais déjà inventé toute une vie dans ma tête avec celui-là. J'avais des photos, des vidéos et tout, donc c'était quelque chose de quand même bien précis. Mais c'est pas bien grave de toute façon. Que ce soit celui-là ou un autre, j'en serais autant ravie et puis je l'aimerais autant, ça c'est sûr. Mais ça fait bizarre. Et puis c'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu des mauvais souvenirs. Et du coup, j'ai un peu bugué sur le coup. Je me suis remise en question. Je me suis demandé si c'est vraiment ce qu'on voulait. Mais j'ai tellement d'amour à donner en fait. Et ça me manque tellement. Il y a des gens qui sont pas du tout animaux. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime trop depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été très très proche des animaux. Donc pour moi, là, c'est comme une évidence. Et puis voilà, de toute façon, je sais que ce soit celui-là ou un autre, je l'aimerais autant. Mais ça m'a rappelé vraiment. En fait, il y a quelques années de cela, mon meilleur ami venait chez nous pour mon anniversaire et il m'appelle en me disant qu'il a trouvé un chaton. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Donc de base, il devait venir pour mon anniversaire. Donc je lui dis, écoute, ramène-le. Ramène-le et tout. Et donc c'est un tout petit chaton, il était vraiment pas sevré. Et ça a été très compliqué parce qu'il était vraiment petit, qu'il avait encore besoin de sa maman. Mais il n'y avait pas sa maman en fait, quand mon meilleur ami l'a trouvé. Et du coup, il est resté avec nous à peu près 3 semaines et puis après, il est mort. Mais c'était 3 semaines très très intenses parce que il était tout petit et du coup, fallait qu'on s'occupe de lui jour et nuit. On avait acheté du lait spécialisé pour chaton, fallait lui donner. C'était même pas un biberon tellement il était petit, c'était une petite pipette, vous savez, de Doliprane. C'est ce que j'utilisais pour le donner à boire. Et quand il est parti, c'était très compliqué parce que même si c'était que 3 semaines, c'était intense et on était archi attachés. Et je me rappelle de à quel point j'ai été mal en fait. C'est quelque chose qu'on a peur de revivre. Et du coup, là, cette nouvelle, ça nous a un peu ramené à tout ça. Mais bon, Inch'Allah, ça ira pour les autres et qu'à la fin du mois, j'aurai mon petit bébé chat avec moi. En tout cas, c'est tout ce que je me souhaite. Et puis voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Et à très très vite.